Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Essai en hauteur. L'abdication du roi Édouard VIII d'Angleterre en décembre 1936, après seulement 10 mois de règne pour épouser l'américaine Wallis Simpson, marque un fait sans précédent dans l'histoire des monarchies européennes. Contraint à l'exil, le couple qui porte désormais le titre de duc et duchesse de Windsor s'installe en France où il occupe diverses résidences dans la région Tourangelle, la Côte d'Azur ou Paris. Mais les Windsor ne furent réellement propriétaires que d'une seule demeure, le moulin de la Tuilerie à Gif-sur-Yvette, qu'ils acquièrent en 1952 dans la partie essonienne de la vallée de Chevreuse. L'ensemble constitué de plusieurs maisons du XVIIIe siècle n'est pas sans rappeler les cottages de la campagne anglaise et permettra au duc d'épanouir son goût pour le jardinage. C'était l'endroit idéal pour évoquer l'ouvrage d'Anne Martinetti et Guillaume Le Beau, Agatha Christie de A à Z, tout l'univers de la Reine du Crime. Alors que nous célébrons les 125 ans de la naissance de la plus célèbre des romancières du genre policier, cet ouvrage, structuré par ordre alphabétique, recoupe tous les aspects biographiques, littéraires, mais aussi télévisuels et cinématographiques de l'œuvre d'Agatha Christie. Mais il est temps pour nous de retrouver Anne Martinetti dans la bibliothèque du duc et de la duchesse de Windsor. Anne Martinetti, bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire le plaisir de venir dans l'Essonne en hauteur. Alors, vous savez que le principe de l'émission est de toujours lier un lieu et une œuvre. Nous vous recevons aujourd'hui pour Agatha Christie de A à Z, tout l'univers de la Reine du Crime. Et nous sommes au Moulin de la Tuilerie, à Gif-sur-Yvette, qui était la demeure de campagne du duc et de la duchesse de Windsor. Est-ce que vous avez déjà observé que dans l'univers d'Agatha Christie apparaissait celui qui allait devenir le duc de Windsor, à savoir le prince de Galles? Est-ce qu'il fait partie de l'univers d'Agatha Christie? La famille royale, en tout cas, fait partie de l'univers d'Agatha Christie, puisqu'elle raconte que l'un des plus beaux jours de sa vie, c'est celui où elle a dîné chez la reine, et que c'était un de ses rêves de petite fille, d'ailleurs, de dîner chez la reine. Le prince de Galles apparaît, je crois, dans les actualités, dans la série Hercule Poirot. Voilà, on voit Hercule Poirot aller au cinéma, ce qu'il ne fait jamais dans les livres. D'accord. Et c'est là qu'on parle du prince de Galles. Alors, votre ouvrage tire sa pertinence éditoriale, disons, d'un anniversaire qu'on célèbre. Je crois que ce sont les 125 ans de la naissance d'Agatha Christie. Mais enfin, pour être honnête, Agatha Christie n'a pas forcément besoin de ce coup de pouce éditorial parce qu'elle reste extrêmement célèbre. Est-ce qu'on peut parler d'Agatha Christie comme d'un phénomène éditorial ? Oui, certainement. C'est un des auteurs qui a le plus vendu. On raconte, alors c'est vérifiable, que c'est l'auteur le plus lu après la Bible. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est un fait d'armes. Ensuite, le chiffre qui circule le plus souvent à son propos est 300 millions de livres. Mm-hmm. Je pense que c'est bien plus, en fait, avec les rééditions. Elle détient aussi un autre record qui concerne sa pièce La Souricière. D'accord. Qui est la pièce la plus jouée. 70 ans de représentation ininterrompue. Alors elle bat Ionesco avec la cantatrice chauve, puisque c'est que Ionesco est joué en continu, comme vous le savez, à la Huchette. Alors, non seulement c'est un phénomène éditorial, mais c'est aussi un phénomène télévisuel et filmique, parce que, et là on pourrait la comparer à Simenon, elle a fait l'objet d'un nombre d'adaptations en film, un nombre d'adaptations en série très impressionnant. Vous en rendez compte dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Alors certainement, c'est l'auteur qui a été le plus adapté en série. Donc on a, puis en projet aussi, donc elle a même collaboré à certains débuts d'adaptation. Elle s'est rendue aux États-Unis et puis les choses n'ont pas forcément abouti. Mais il est vrai que les deux séries dont on parle aujourd'hui et qui sont régulièrement rediffusées, c'est Hercule Poirot et puis c'est Miss Marple. Bien avec sûr. Joan Nixon et Hercule Poirot avec David Suchet. Alors ben justement, une question, parce que moi je suis aussi fan de l'univers littéraire que de la série Hercule Poirot chez Agatha Christie, et je n'ai pas trouvé d'entrée sur David Suchet dans le livre. Vous en parlez continuellement, parce que vous vous rendez compte de chaque épisode, mais il n'a pas eu le droit comme d'autres à son article personnel. Pourquoi ? Alors déjà, c'est un acteur très contemporain. Il est lui-même l'auteur d'un livre où il raconte sa vie avec Hercule Poirot. Et puis, c'est un acteur que Agatha Christie n'aura pas rencontré, n'aura pas connu en tout cas. Donc, c'est vrai qu'il fallait faire un choix, mais je ne désespère pas d'avoir un deuxième volume. Et il fallait faire un choix et nous nous sommes concentrés surtout sur tout l'univers cinématographique et autour des séries qui sont proches de la Reine du Crime. Et puis ensuite, nous avons un peu extrapolé. Donc, vous aurez, par exemple, une
notice sur Peter Ustinov, voilà, qui est, qu'elle a rencontré, mais pas sur David Suchet. D'accord. Alors, pour être juste, en fait, on n'arrête pas quand même de parler de David Suchet dans le livre, mais quand vous détaillez les épisodes. Bon, tout ce succès, ma question est naïve, hein, y a pas d'arrière-pensée, tout ce succès n'est peut-être pas que le fait du hasard et simplement des œuvres. Est-ce qu'Agatha Christie, c'était pas aussi une reine du marketing éditorial avant même que ces mots soient employés? Ça, c'est très difficile de le déterminer. En tout cas, ce n'est pas à partir de ses écrits qu'on peut le faire. Par exemple, dans son autobiographie ou dans son livre qui s'appelle « Dis-moi comment tu vis », donc qui a été rebaptisé récemment « La romancière et l'archéologue », où elle raconte les champs de fouilles avec son second mari. Elle reste quelqu'un de très simple, de très accessible, et tout a l'air parfaitement quotidien et naturel. C'est-à-dire que voilà, sa préoccupation lorsqu'elle est en Irak, c'est de trouver une table qui ait quatre pieds égaux, de telle sorte qu'elle puisse y poser sa machine à écrire. D'accord. Et à partir du moment où la machine à écrire est sur la table, on ne sait plus rien. D'accord. C'est-à-dire que la manière dont elle concevait les choses, on peut le deviner par rapport à la lecture de ses carnets donc, qui ont été publiés en français. Donc elle a laissé un certain nombre de petits carnets, type carnet noir, vous savez, d'écrivain, où elle note tout aussi bien sa liste d'épiceries, le fait de faire ressemeler une paire de chaussures, que si je faisais partir Miss Marple aux Antilles. D'accord. Donc tout est mélangé. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'elle fonctionnait, c'est-à-dire que l'écriture a fait partie de sa vie de manière tellement inextricable que pour elle c'était comme d'aller s'acheter une robe, c'est peut-être plus simple d'ailleurs. Mais alors, comme votre livre est vraiment un livre de fond, est-ce que vous avez essayé de contacter ces éditeurs historiques en Angleterre pour savoir quel rapport ils ont eu avec elle? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a existé? Alors ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Elle en a changé. Elle en parle de manière assez continue dans son autobiographie. C'est-à-dire qu'elle a eu un premier contrat qui était un contrat un peu léonin où on lui faisait promettre de donner 5 livres, etc. Ah, oui. Et très vite, elle a bien compris que si elle voulait gagner davantage d'argent, étant donné que ses livres se vendaient de plus en plus, il fallait qu'elle se fasse représenter. Donc elle a pris un agent qui était Hugues Massy et elle l'a gardé assez longtemps. Et avec son agent, en revanche, elle s'entendait très très bien. Alors toujours pour essayer de percer l'énigme de ce succès, et qui s'était percé ferait le bonheur des éditeurs qui s'en empareraient. Et des auteurs. Vous, et des auteurs évidemment, c'est vrai. Vous rendez compte d'une tentative scientifique à travers un documentaire qui s'appelle, je crois, Agatha Christie Code. Et est-ce que vous voulez dire ce que c'est que ce... Qu'est-ce que présente ce documentaire? C'est quoi la théorie? La théorie, c'est que les romans d'Agatha Christie renferment des formules mathématiques qui permettent au lecteur de ne jamais lâcher le livre jusqu'à la fin. Une sorte d'algorithme addictif. C'est ça. Voilà. Alors, là où cette théorie peut être pertinente, c'est qu'Agatha Christie était excellente en mathématiques. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a même envisagé de devenir mathématicienne. C'est une scientifique, Agatha C'était Christie. Une scientifique, voilà. Mmh. Au départ, bon, elle a eu une éducation dans des pensionnats et c'était quelque chose qui n'était pas extrêmement régulier ou en tout cas, mais les mathématiques, le piano, toutes ces matières-là, elle y a excellé. Le chant, enfin, elle était à la fois artiste et scientifique. Donc, il est possible, pourquoi pas, d'envisager que les romans, les nouvelles correspondent à un code. Mais là où cette théorie achoppe, à mon sens, hein, parce que je pense que c'est toujours discutable, c'est qu'aucun des romans d'Agatha Christie ne ressemble à un autre. C'est le seul auteur, à ma connaissance, peut-être avec Stephen King, à avoir toujours une idée différente et à filer son intrigue de manière toujours différente. Elle ne se répète jamais. Donc on ne trouve pas, vous savez, cette fameuse théorie du schéma narratif dans les contes de fées qui expliquerait d'ailleurs le conte de fées. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La seule chose qui est itérative parce que c'est Hercule Poirot ou parce que c'est Miss Marple, et encore chez Miss Marple c'est très différent, chez Hercule Poirot nous avons cette mise en scène, à savoir le meurtre, Hercule Poirot qui intervient peu de temps après ou bien tout au départ, et ensuite son enquête, et puis souvent cette mise en scène parce qu'il est un peu cabotin et qu'il veut réunir tous les acteurs du crime à la fin du roman. Donc là, on a cette scène où il finit par dire « mais je sais très bien que c'est vous », etc. Donc ça, c'est un petit peu un gimmick, mais j'ai l'impression plus par jeu que par formule mathématique. D'accord. Alors, on va essayer une autre explication, une explication peut-être plus littéraire, et cette fois-ci, vous en serez à l'initiative. Si vous deviez dire quels sont les ingrédients de la mécanique christienne, qu'est-ce que c'est les ingrédients de la mécanique christienne? Parce qu'il y a des différences, mais il y a quand même des choses qu'on retrouve de roman en roman. Alors, sa grande force, à mon sens, et c'est un petit peu la grande force de tous les grands romanciers, c'est la profondeur de ses personnages.
D'accord, les psychologies sont travaillées. Les psychologies sont travaillées. J'ai lu pendant des années, avant de me pencher moi-même sur cette étude un peu plus littéraire de l'auteur que je lisais comme n'importe quelle amatrice de romans policiers depuis très très longtemps. J'ai lu, la psychologie est simple, les intrigues ne sont pas tellement fouillées, ces personnages sont un peu archétypaux, voilà, même j'allais dire caricaturaux. Tout ça est très faux. Ces personnages sont extrêmement fouillés, ils peuvent venir de n'importe quelle classe sociale. Une gouvernante peut avoir un passif, une histoire, quelque chose d'extrêmement profond, au même titre qu'un aristocrate. Elle n'a aucun préjugé sociétal, elle n'a aucun préjugé de frontières, aucun préjugé de pays, aucun préjugé de couleur. Elle est totalement ouverte à l'humanité, j'ai envie de vous dire. D'accord. Et donc, du coup, chacun de ces personnages représente un univers et a derrière lui des tas de valises qui vont lui permettre soit d'être tué, soit d'être tueur, soit d'être détective, d'être épargné. Mais en tout cas, lorsqu'on se penche vraiment sur l'étude des personnages, et ça, je crois que ça n'a jamais été fait de manière psychologique ou psychanalytique, en tout cas pas en profondeur, les personnages sont toujours attachants. Alors c'est une chose qu'on peut, enfin c'est mon avis, mais c'est une chose je crois qu'on voit très très bien dans la série justement Hercule Poirot, qui d'ailleurs quand elle a évolué, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais au début elle ressemblait vraiment à une série télévisée, bon de bonne facture, parce que l'acteur était tout de façon bon dès le début, mais enfin on voyait, je dirais pas qu'il manquait des moyens, mais elle était assez simple. Et plus la série a évolué, plus elle s'est rapprochée de quelque chose de filmique, et ça s'est accompagné, je vous rejoins tout à fait, dans la psychologie des personnages, mais c'était vraiment des personnages travaillés comme au cinéma, quoi, voilà, très très profond, donc on retrouve ça. Mais alors, moi j'avais trois hypothèses que vous validerez ou invaliderez. Bon, peut-être ce qui fait aussi la force d'Agatha Christie, c'est d'abord qu'il y a quelque chose de choral. Et or, on voit que beaucoup d'œuvres chorales marchent très bien au cinéma, dans les livres, on pourrait citer beaucoup de choses comme ça. Il y a le côté choral, il y a le côté évidemment british, c'est-à-dire qu'on rentre dans une atmosphère chez Agatha Christie, hein, on sait bien où on va. Et puis peut-être il y a aussi, comme vous le disiez, la diversité sociale, parce qu'on ne s'ennuie jamais avec des personnages qui sont toujours du même monde. Est-ce que vous validez ces trois hypothèses comme des clés aussi d'explication du succès d'un univers ? Des psychologies extrêmement, enfin des personnages sociaux extrêmement différents, et puis cet aspect choral comme ça. Oui, oui, je valide tout à fait. Et il y a aussi on pourrait même ajouter le fait que certains personnages, on va dire de l'aristocratie, se conduisent comme des gangsters, que certains personnages de la domesticité, alors les domestiques sont très très importants. Il y aura une étude à faire sur les domestiques chez Agatha Christie déjà dans sa vie personnelle, parce que ça a été pour elle une des nourrices de sa fille a été une amie très chère, etc. Caro, et donc elle parle tout le temps de la cuisinière que ses parents avaient pendant son enfance, Jane, qui l'a initiée un peu à la gourmandise. N'importe quel personnage, même un personnage qui va être, je pense à l'hôtel Bertram, le portier par exemple, le portier est un personnage clé. Qui donne plein d'indications à Hercule Poirot, etc. Et ce portier, il est une des clés du roman en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que vous savez d'abord comment est née chez Agatha Christie, parce que c'est une écrivain compulsive, elle a écrit entre quelle année et quelle année Agatha Christie ? Alors, elle s'est mise à écrire lors d'une grippe. D'accord. Au départ, c'était sa sœur, l'écrivain de la famille. Ah bon ? Sa sœur a écrit quelques nouvelles, primées, etc. Et puis, elle a eu l'idée, et puis elle a dit, mais moi, je saurais faire. Sa sœur lui a dit, mais non, tu ne sauras pas. Si, je te parie que oui. Et tout est parti comme ça. D'accord. À la base, tout de même, c'était une grande lectrice, une énorme lectrice. Elle savait lire très tôt, alors que les enfants, à l'époque, ne devaient pas savoir lire avant 8 ans. Elle a su lire très tôt. Chez elle, on lisait à voix haute des histoires. On lui lisait Sherlock Holmes. Ça aide pour l'univers policier. Elle a lu, alors elle raconte dans son autobiographie toutes ses lectures d'enfants qui sont autant d'indications de sa future carrière d'auteur, maintenant que c'est facile d'extrapoler. Émile Gaboriau, Edgar Poe, les histoires victoriennes, tout ce qui était gothique, Anne Radcliffe. Donc elle a toute une culture en fait. Elle a une culture qu'on retrouve après dans les romans, que ce soit une mise en scène, un lieu ou un personnage. Elle a toute une culture déjà classique.
anglaise et une culture classique française aussi. Et puis, elle est à moitié américaine. Donc, elle a lu également des tas d'auteurs américains. Elle a lu énormément de polars. Donc, c'était quand même... Et un creuset culturel tout à fait... Un creuset culturel qui était intéressant. D'accord. Alors, est-ce qu'on sait combien d'œuvres a laissé Agatha Christie? Combien on compte de titres aujourd'hui? Alors, officiellement, on a 66 romans. D'accord. Voilà. On a une cinquantaine de nouvelles. D'accord. Certaines qui ont été retravaillées enfin, par son biographe, ensuite par John Coran, qui en a retrouvé deux à Greenway, dans une malle, dans les carnets. Voilà, il y a toutes les pièces de théâtre, plus d'une dizaine, plus les adaptations, alors après, qui ne sont pas de son fait, mais dont elle est à l'origine de ses pièces de théâtre en roman, on doit bien être presque à 100. Est-ce qu'Agatha Christie n'a écrit que des romans policiers ou est-ce qu'elle a donné dans d'autres genres? Vous avez dit du théâtre, mais je crois que c'est du théâtre policier souvent. Oui. Et très souvent, elle a adapté dans un sens et dans l'autre, des œuvres théâtrales policières en romans ou nouvelles, vice-versa. Mais est-ce qu'elle a fait que du policier, Agatha Christie? Alors non, bien sûr, elle a. Alors, je suis très fan de ses petits romans, ce qu'elle appelait, elle, ses petits romans, qui étaient des romans en fait sentimentaux ou des romans en tout cas dramatiques, qui sont signés d'un pseudonyme qui est Mary Westmacott et qui sont dont les titres sont Musique barbare ou Histoire d'un musicien, dans lequel elle se retrouve beaucoup. Donc, ils sont des histoires assez terribles, dont un roman qui est l'histoire de Portrait inachevé, qui est un petit peu sa vie en décalé, ou alors un autre qui est vraiment terrible, qui s'appelle Loin de vous ce printemps, donc qui est l'histoire d'une femme qui voyage donc en Orient et qui tombe en panne, dont le train tombe en panne, et elle se retrouve dans le désert pendant 3 jours. Et là, dans le désert, elle va mener une espèce de réflexion intime où elle va s'apercevoir que... alors qu'elle partait comme une femme assez heureuse, banale, à la vie assez banale, qui s'entendait bien avec ses enfants, qui s'entendait bien avec son mari, de fil en aiguille, elle réalise que son mari la trompe, que ses enfants la détestent, que sa vie n'est que artifice, et que lorsqu'elle reprend ce train, tout a changé. Le voyage est révélateur. Finalement, voilà. Butor n'a rien inventé avec la modification. Peut-être c'est ça dont il s'est inspiré. On sait que très souvent, d'ailleurs voilà une question aussi que j'ai envie de vous poser, le roman policier est considéré par la critique universitaire très souvent comme un sous-genre, mais est-ce qu'il ne se venge pas un peu quand il arrive à prouver qu'en tant que sous-genre, il influence les grands genres? Alors, il influence de toute façon les grands genres. Et Agatha Christie, à cet égard, lorsque je lis des romans de littérature contemporaine, parfois, polar ou pas, je retrouve des thématiques. Bien alors sûr. Après, qui peuvent être considérées comme des thématiques universelles et chacun est libre après de créer selon son humeur. Mais il est clair que j'ai donc été l'auteur, moi, d'un mémoire de troisième cycle sur la littérature policière et l'édition policière. Et c'était pourtant il y a 2 décennies. Et donc, à l'époque, on considérait encore que le roman policier ou l'édition policière n'était pas un genre digne d'étude. Aujourd'hui, si on considère l'édition française ou autre, ce sont les polars qui trustent les premières places, très très souvent. Alors, ça nous permet justement, à côté de ce succès, de poser une autre question. Comment Agatha Christie est-elle justement considérée par la critique littéraire et universitaire? Est-ce qu'elle a bonne presse? Elle n'a pas de presse. D'accord. C'est-à-dire, c'est un non-objet. Elle n'a jamais eu besoin de presse. Elle oui. a eu, alors, en plus, elle détestait la presse. Alors, oui. Ça, c'est encore plus intéressant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce qu'elle est considérée par la critique universitaire en tant qu'auteur? On la méprise, on la considère. Il y a des études quand même. Il y a des études quand même qui existent, surtout en langue anglaise, D'accord. plus qu'en langue française. Il y a une petite anecdote amusante qui est un article des frères jésuites dans une revue des années 1920-1930, j'ai plus la date exacte en tête, où ils disent que ça peut être lu parce que le méchant est toujours puni. Donc il y a une morale. Voilà. Après, elle a eu, elle, des démêlés avec la presse lors de sa disparition célèbre. Et ce qui est amusant, c'est que le métier de journaliste est le métier le moins représenté dans toute son œuvre. D'accord. Bon, c'est peut-être une vengeance oui, ou une méfiance en tout cas. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces petits carnets en moleskine, là, les carnets d'écrivains typiques. Qu'est-ce qu'on connaît qu'est-ce qu'elle a laissé elle-même de son processus créatif? Est-ce qu'elle a laissé des notes sur le processus? Sur la façon dont vous en avez parlé tout à l'heure, bon ben voilà, l'écriture s'accomplissait naturellement. Et ça, c'est terrible pour la critique, parce que ça veut dire qu'il va rien en rester, la personne ne s'exprimera pas. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas.
Donc c'est le cas, elle a très très peu parlé, théorisé, pas du tout. Elle, dans son autobiographie, elle, pour elle, c'était voilà, il y a eu un moment où elle commençait à gagner de l'argent par rapport à ses livres et où elle s'est dit, bon, bah, maintenant, c'est mon métier. Voilà. Mais en dehors de l'énoncer de cette façon-là, c'est mon métier, donc certains jours, ça veut dire, le fait que ce soit mon métier veut dire, et en tant qu'auteur, je peux tout à fait comprendre ça, même mineur, ça veut dire que même le matin, lorsque je n'ai pas envie de me mettre à ma machine, eh bien, je dois le faire quand même. D'accord. Comme n'importe quelle personne nantie d'un métier. D'accord. Voilà, banal. Oui. Alors, la seule chose que j'ai trouvée un petit peu théorique, je crois qu'elle a fait partie à un moment donné d'un collectif d'écrivains policiers. C'est une tentative assez... Detection Club. Voilà, je cherchais le terme. Detection Club, où ils étaient je ne sais plus combien, et où en fait, chacun avait la responsabilité d'une partie d'un roman. Et il y a quand même des règles qui ont été édictées pour faire ces romans. Alors, je me souviens, par exemple, que le roman ne doit pas compter de passages secrets, etc. Quelles étaient un peu les règles du Detection Club ? Alors, elle en a violé une et ça a fait hurler. Ah, oui, le narrateur ne doit pas être le criminel. Et ça, oui. On connaît une œuvre, on ne dira pas laquelle, mais et on connaît donc cette œuvre, oui. Qui a été un de ces romans les plus célèbres, dans lequel c'est le narrateur qui a commis le meurtre. Et donc là, alors c'était vraiment la violation totale de la règle numéro 1 du Detection Club. Voilà. Mais pour en revenir à ce club-là, elle raconte en tout cas qu'elle y a été un peu poussée par Dorothy Sayers, qui est un autre grand auteur de romans policiers, et un peu par amitié. Sinon, elle n'était pas du tout son caractère. De ce qu'elle en dit et de ce qu'on en voit, ne la prédisposait pas du tout à faire partie d'une quelconque assemblée. Elle était extrêmement timide, elle détestait s'exprimer en public. Oui, elle estimait qu'elle avait absolument rien à dire sur des sujets sur lesquels on la sollicitait, comme la condition des femmes par exemple, alors qu'elle-même par sa vie était un modèle d'indépendance, un modèle de liberté, mais elle détestait s'exprimer en public. Alors, il y a une chose, moi, qui me fascine chez Agatha Christie, à propos de laquelle j'aimerais vous entendre, c'est l'onomastique. C'est-à-dire que quand on rentre dans un roman d'Agatha Christie, bon, à côté de l'intrigue, on ne peut quand même qu'être fasciné par le choix des noms. Je ne me souviens pas toujours des intrigues, mais j'ai comme ça des noms qui dansent dans ma tête quand je pense à elle. Fortescue, Restaric, etc. Est-ce qu'elle travaillait ces noms? Pourquoi est-ce qu'ils restent si frappants comme ça, ces noms? Alors déjà, les deux noms que vous avez cités sont des noms qui sont portés par beaucoup de membres de la famille. Ouais. Donc déjà, peut-être que c'est pour cette raison qu'on s'en souvient. L'autre astuce par rapport aux noms de famille, c'est qu'ils sont d'autant plus frappants que l'intrigue va concerner la famille. Restaric, nous avons une histoire de substitution d'identité. Fortescue, nous avons une histoire aussi de double personnalité. Ce sont des noms qui sont portés par des chefs de famille, des chefs Absolument. De clan presque. Hein. Plus ou moins sympathiques. Plus ou moins sympathiques, donc qui sont au démarrage de l'histoire parce que, bah, comme Rex Fortescue, ils sont assassinés avec leur marmelade. ou bien Restaric, le vieux Restaric, lui, est un peu fou, mais en même temps, il détient la vérité sans le savoir. Donc du coup, les noms sont extrêmement révélateurs aussi de leur personnage. Donc, ce n'est pas choisi comme ça au hasard. Je ne pense pas du tout. Il y a une valeur du nom. Voilà. Peut-être qu'on apprécie plus en langue anglaise qu'en langue française, ou ça ne marche même pas comme ça? Non, je pense qu'on se souvient des personnages, en fait. On se souvient de leurs noms. Mais elle a un petit peu le génie des noms. Écoutez, Hercule Poirot, franchement, aujourd'hui, un auteur arrive chez son éditeur et lui dit « Je vais appeler mon détective Hercule Poirot. » On lui dit « Tu n'as pas une autre idée. » Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, vous faites une transition avec la question suivante. On ne peut pas parler d'Agatha Christie sans évoquer quand même deux personnages qui sont les plus connus et qui sont Hercule Poirot, Miss Marple. Trois questions les concernant. D'abord, comment elle en est arrivée à créer ce Hercule Poirot et cette Miss Marple? Je crois qu'elle n'a pas du tout entretenu, parce qu'elle avait comme une relation avec eux, elle n'a pas du tout entretenu la même relation avec Hercule Poirot et Miss Marple, donc quelle relation elle a entretenue avec eux? Et sur Miss Marple plus précisément, est-ce qu'elle n'est pas un peu un double d'Agatha Christie? Trois questions. Alors, sur Hercule Poirot, nous avons quelques indices qui préviennent sa naissance, à savoir des réfugiés belges à Torquay pendant la Première Guerre mondiale. Agatha Christie était infirmière volontaire au dispensaire de Torquay. Elle y a appris le maniement des poisons, qui lui sera bien utile plus tard. Et donc, parmi ces réfugiés belges, il y aurait eu un homme donc, qui est un policier à la retraite et dont elle se serait inspirée. Après, il existe un détective un peu plus antérieur qui s'appelle Hercule Popo.
dont elle aurait pu s'inspirer aussi. Donc on n'a pas vraiment de révélation à ce sujet. En revanche, ce qui est amusant, c'est de vous parler des rapports qu'elle entretient avec ses personnages. Lorsque nous avons écrit un roman graphique, donc toujours avec Guillaume Lebeau, sur la vie d'Agatha Christie, on a appelé ça la vraie vie d'Agatha Christie, parce que c'est justement, on s'est amusé à mettre en scène en fait ce dialogue qu'elle avait avec ses personnages, dialogue authentique, enfin en tout cas dont elle parle, c'est-à-dire que quand elle était enfant, elle s'amusait avec des chatons imaginaires et elle parlait à ses chatons. Et elle a cette phrase magnifique dans l'autobiographie, elle dit en quelque sorte, quand je discute à propos de mes livres, c'est toujours à mes chatons que je parle. Voilà. Mais et alors donc, elle n'aimait pas tellement Hercule Poirot. Alors au début, Hercule Poirot était un petit peu un pari. Voilà. Il était belge, il n'aime que les carrés, il n'aime que les formes symétriques, il est plein de coquetterie, de manie, il déteste la cuisine anglaise, bon elle aussi, elle était plus pour la cuisine française, elle ne buvait pas du tout de thé, enfin bon, c'était une fausse mamie british, on l'a fait passer pour souvent, un personnage comme ça, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc au départ, Hercule Poirot, j'ai l'impression que ça a été plutôt un pari. Après, le problème d'Hercule Poirot, c'est qu'il a eu beaucoup de succès. C'est ça. Voilà. Et je pense que dans une deuxième partie de sa carrière, elle aurait bien aimé le laisser tomber. Elle le dit à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, pendant la guerre, elle a écrit le dernier Hercule Poirot, un petit peu peut-être pour. Un héritage s'il lui arrivait quelque chose. Oui, c'était un héritage. Donc ça, c'était pour protéger sa fille et son mari. Elle a écrit le dernier Miss Marple et le dernier Hercule Poirot. Elle les a mis dans un coffre, ils y sont restés 40 ans, donc 30 ans. Et donc les relations avec son personnage, elles sont racontées en fait par son double, qui à mon sens n'est pas tellement Miss Marple, mais plutôt Arianne Oliver, qui est un auteur de romans policiers qu'elle met en scène, qui a des tas de difficultés pour trouver une coiffure à son goût. Comme Agatha Christie. Elle est un peu excentrique. Voilà, qui adore les pommes, comme Agatha Christie, qui adore les maisons et qui passe son temps à changer le papier peint, comme Agatha Christie. Donc, c'est plutôt Arianne Oliver, le double de Miss Marple, le double d'Agatha Christie. Et Miss Marple, ce serait plutôt une grand-mère ou une mère très, très perspicace, très calme. Toujours, je vois plus dans Miss Marple une évocation de sa propre mère. D'accord. Alors, on a souvent justement l'image d'une Agatha Christie, je dis bien l'image, parce que quand on regarde son physique, avec comme ça, la photo où on voit ses cheveux bouclés, un peu permanentés. Ses mises en plis. Voilà, ses intérieurs qui sont quand même british. Bon, vous l'avez dit, on a un peu l'image d'une mamie british. Peut-être même un peu réac. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve en vrai dans ses romans? Est-ce que les romans d'Agatha Christie sont datés dans l'idée de l'approche de la société ou au contraire, elle est moderne, elle reste moderne? À mon sens, elle reste moderne. Alors après, ça peut se discuter. Nous avons effectivement traité dans l'encyclopédie, parce qu'on ne pouvait pas le passer sous silence, certains aspects qu'on pourrait qualifier d'antisémites. Qui sont à mon avis plutôt des espèces de clichés qu'on avait sur la société à l'époque. Bien sûr, à l'époque. Voilà. Mais franchement, elle avait... Bon, c'est jamais une raison, mais j'ai l'impression qu'elle s'est liée d'amitié et de réelle amitié avec des gens avec qui elle n'avait rien en commun. Elle parle de son amitié avec les femmes kurdes lorsqu'elle était sur les champs de fouilles. Elle n'échangeait que très peu de mots parce que les femmes kurdes ne parlaient pas anglais et elles ne parlaient pas leur langue. Mais elle arrivait quand même à avoir des moments de complicité. Donc j'ai plutôt l'impression qu'elle est allée vers ce qu'elle ne connaissait pas, toujours avec une absence de préjugés. Et moi, c'est ça que je ressens dans les livres. Alors évidemment, il y a un côté époque. Donc l'aspect daté, il peut être chez certains personnages, lorsqu'on peut lire qu'un Russeller va avoir un aspect typé, etc. Mais ça, malheureusement, on le lit dans beaucoup de romans policiers. Mais alors en même temps, une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve toute l'humanité représentée chez Agatha Christie. Et une chose, moi, qui m'a frappé à la lecture de votre ouvrage, parce qu'il récapitule toutes les œuvres, je n'ai pas relu tout Agatha Christie avant notre interview, c'est qu'en fait, on trouve toutes les nationalités. C'est-à-dire qu'on trouve aussi bien des Asiatiques que des Africains, que des Européens, évidemment. Tout le monde est représenté dans Agatha Christie. Ce n'est pas si fréquent pour des romans d'époque. Agatha Christie était aussi une femme, je crois, qui a énormément voyagé. Ce n'est pas du tout une mamie qui est restée dans son salon. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Non, non, alors du tout. Ça n'a jamais été une mamie restant dans son salon. C'était d'abord une femme qui a fait le tour du monde au début des années 20. Une surfeuse. Elle est allée en Afrique du Sud et elle a surfé en Afrique du Sud. Elle a
appris à surfer à Muizenberg. Elle est allée voir les chutes Victoria. Elle est allée, donc c'était dans le cadre d'un voyage commercial pour une exposition commerciale qui devait avoir lieu à Londres 2 ans plus tard. Elle a accompagné son premier mari, Archibald Christie. Donc elle a fait le tour du monde au sens strict, c'est-à-dire Angleterre, Canaries, Afrique du Sud, Tanzanie, Nouvelle-Zélande, Australie, Hawaï. Ça décrit bien Hawaï. Un cercle. Ouais. Voilà, elle a fait un cercle, hein, vraiment. Ensuite, Canada, train, etc., jusqu'à New York, Angleterre. Donc c'était un vrai tour du monde. Et alors, votre ouvrage, qui se présente comme une encyclopédie, est-ce que vous pouvez essayer de nous lister le nombre d'entrées qu'il a? Parce que ça fonctionne comme un dictionnaire des œuvres, comme un dictionnaire des personnages d'Agatha Christie, comme un dictionnaire des adaptations filmiques. Qu'est-ce qu'on trouve encore comme autre dimension? Une biographie? Une biographie, des entrées thématiques. Voilà, donc qui peuvent être poison. Féminisme, poison, muffin, par oui, exemple. C'est vrai qu'il y a des choses sur la gastronomie. Voilà, qui peuvent être, je ne sais pas, chapeau, enfin des choses très variées. Et alors, à la fois, j'ai trouvé qu'il avait comme ça un aspect universitaire, c'est-à-dire que si des Français ou même des Anglais veulent se pencher sur l'œuvre d'Agatha Christie, il me semble que votre ouvrage est un incontournable, mais il est fait avec un ton, avec un humour tout à fait british. Et alors, une chose qui m'a amusé, par exemple, on trouve une entrée Huguette Bouchardot. Alors ça m'a fait rigoler. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais pourquoi Huguette Bouchardot? Alors pourquoi Huguette Bouchardot, par exemple? Alors nous avons recensé, puisque c'est un ouvrage qui au départ est écrit en français, nous avons recensé toutes les œuvres qui ont été écrites sur Agatha Christie, enfin en tout cas toutes les biographies. Donc Huguette Bouchardot est l'auteur d'une biographie d'Agatha Christie qui est parue dans les années 90, je crois. Eh bien, on n'aurait pas associé tout de suite les univers de ces deux dames. Non. Dernière dimension, c'est aussi un album photo. Donc on trouvera des photos d'Agatha Christie et des photos des lieux de vie qui ont beaucoup compté pour elle et qui ont beaucoup influencé son œuvre. Alors maintenant, on va en venir, si vous voulez, à la vie d'Agatha Christie elle-même, parce qu'on peut dire que sa vie, elle est quand même à la hauteur de ses romans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absolument. En oui. Quoi? Alors, déjà, c'est une femme extrêmement libre. C'est-à-dire qu'elle elle ne s'est pas mariée par convention, mais par amour. Elle s'est mariée, on va dire, sur un coin d'église à un moment où la guerre battait son plein parce qu'elle n'était pas sûre de revoir son mari qui était aviateur, sans cérémonie, en trouvant un témoin dans la rue qui était une amie qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps et qu'elle a croisée par hasard. Bon. Archibald Christie insistait pour qu'elle se marie, elle aussi. Et donc, ils ont eu un mariage vraiment sans cérémonie. Et pour l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Sa mère, d'ailleurs, l'avait emmenée en Égypte pour le bal des débutantes, pour son entrée dans le monde, etc. Oui, elle faisait partie de la bonne société, quand même. Donc, ce n'était pas du tout l'idée d'un mariage vite fait. Lorsque son mari lui a proposé ce tour du monde, ils ont laissé leur fille à sa mère. Oui. Ils sont partis sans vraiment avoir conscience de ce qui les attendait au retour. Et effectivement, le retour a été un peu difficile, puisqu'ils n'avaient pas d'argent. Elle a divorcé. Voilà, ça c'est un. Est-ce que c'est pas l'événement principal de la vie d'Agatha Christie? Est-ce que c'est pas un choc émotionnel terrible? C'est un choc émotionnel énorme, mais c'est un choc dont elle s'est, j'ai envie de vous dire, non pas immédiatement remise, mais en fait, j'ai l'impression que elle n'a jamais porté de jugement sur ce qui lui arrivait. Oui. Et ça, c'est une manière d'avancer ultra rapide. C'est-à-dire que elle allait mal, sa mère était morte, elle est allée à Ashfield, qui était sa maison d'enfance à Torquay, elle a commencé à vider les malles, vider les cartons, vider, etc. Et c'était une sorte de dépression qui l'atteignait. Et puis son mari venait lui dire, en plus je divorce, etc. Donc en fait, elle n'avait pas tellement de choix, ou elle en avait deux. Le premier était de continuer à vivre et de se dire que, ma foi, la vie continuait pour sa fille notamment. Et puis, parce qu'elle avait un solide appétit de vivre. Elle en parle d'ailleurs dans son autobiographie. Elle dit qu'elle a été extrêmement malheureuse dans sa vie. Elle a été extrêmement heureuse, mais qu'elle a toujours eu cette volonté et cet appétit de vivre. Ou bien, voilà, elle devenait une divorcée qui ne sortait plus. Enfin, comme ça se pratiquait parfois. Une enterrée vivante. Oui, mais il y a un événement quand même qui a lieu à la faveur, si on peut dire, enfin, à l'occasion de ce divorce. Et c'est quand même un événement qui a fait jaser, et encore aujourd'hui, on ne connaît pas le fin mot de ça, et d'ailleurs je suis curieux de connaître votre interprétation, Agatha Christie a disparu. Oui. C'est-à-dire que voilà, un jour on ne l'a plus retrouvée, alors on a même pensé qu'elle s'était peut-être suicidée, qu'elle était morte, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette disparition et quelle est votre hypothèse à vous? Parce qu'il y en a eu des hypothèses. Alors il y a eu énormément d'hypothèses, et ensuite assez récemment, à la mort de Nan Watts, qui était son amie d'enfance et qui est celle qui l'a aidée quand même à monter cette disparition, hein, puisque c'était une disparition complètement arrangée. Et peut-être bien pour
que son mari soit un petit peu inquiété, un petit peu une forme de vengeance. En tout cas, c'est ce qui ressort hein, de tous ces témoignages. Donc, elle est partie un soir, elle a disparu. Elle a laissé sa voiture sur le bord d'un étang où elle aurait pu se noyer, effectivement. Elle a laissé son manteau, ses papiers d'identité, tout. Et elle est partie prendre les eaux à Harrogate, dans le nord. Donc, une ville d'eau où elle est descendue sous le nom de la maîtresse de son mari. C'est ça, ce qui est particulier. Ouais. Un psychanalyste se régalerait de ça. Voilà. Et, ou bien, c'était une volonté, encore une fois, de se venger un peu et de... Donc, il y a eu cette disparition. On a découvert ensuite qu'elle n'était pas partie à l'aventure, mais qu'elle était, elle était montée dans un train après avoir abandonné sa voiture pour Londres, qu'elle avait retrouvé son amie Nan Watts, qu'elle était allée s'acheter des vêtements et de quoi faire des bagages pour partir aux eaux, et qu'ensuite, elle était allée à Harrogate. Voilà. Oui. Tout ça soigneusement organisé. Et si on fréquente même de manière livresque Agatha Christie depuis longtemps et en ayant lu et relu ses livres, j'ai beaucoup de mal à penser que cette femme a été prise d'un coup de folie. Ça ne lui ressemble absolument pas, puisque tout au contraire, une fois qu'elle a eu cette... Alors, ce qu'elle n'avait sans doute pas prévu, et c'est ça qui a donné de l'intensité aussi à cette disparition, c'était qu'on allait la rechercher. Et qu'on allait la rechercher avec un battage médiatique énorme, de telle sorte que même son éditeur, peu après, écrira le nouveau roman de celle qui a disparu. C'est devenu lui, un slogan publicitaire. Ouais, c'est ça, lui, il a su exploiter. Donc ça, c'est possible qu'elle n'ait pas anticipé cette disparition, enfin ce battage médiatique lié à sa disparition. En revanche, ce qui a été compliqué, je pense, pour la famille, c'est de reconnaître en fait que la disparition était volontaire. Donc pendant des années, on a dit qu'elle a eu une dépression nerveuse. Perte de mémoire, etc. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, la disparition au départ, était elle bien est organisée. Complètement, oui, ouais. Complètement organisée. D'accord. Alors, une chose encore, donc tout à l'heure on a dit qu'Agatha Christie a beaucoup voyagé et elle a eu une passion, pareil, assez singulière dans la vie d'une femme de cette époque. Elle s'est passionnée pour le Moyen-Orient et en particulier, je crois, pour la Libye, l'Égypte, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette passion du Moyen-Orient d'Agatha Christie? Alors, au départ, elle s'est surtout passionnée pour un archéologue. Bien sûr, voilà. son second mari. Son second mari, donc Max Mallowan. Néanmoins, elle avait déjà une solide culture classique. Donc ça, c'était quelque chose... Là aussi, on avait un creuset qui était intéressant. Et son second mari l'a emmenée, donc elle a voulu, c'était la réaction de son divorce. Elle s'est dit, je vais partir en Irak, je vais partir à Bagdad, toute seule, par l'Orient Express. Elle avait toujours rêvé de prendre l'Orient Express. Et là-bas, elle a eu une révélation par rapport au pays qui lui a beaucoup plu, au climat dont elle parle dans ses mémoires. Enfin, elle a vraiment été séduite par l'endroit. Et donc après, lorsqu'elle a épousé Max Mallowan, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et donc c'était aussi une forme de liberté, parce que ça ne se faisait pas tellement à l'époque, eh bien, elle l'a suivi, puisqu'elle avait son métier le lui permettait, elle le suivait la moitié de l'année sur des champs de fouilles. Et lui, dans ses mémoires... Et lui, dans ses mémoires, raconte qu'elle a même financé quelques champs de fouilles, quelques missions. Donc, elle l'a aidé parce que pour elle, c'était un petit peu comme le travail de l'auteur de romans policiers, c'est-à-dire qu'elle reconstituait, en fait, une affaire ou un puzzle où, finalement, il s'agissait d'enquêter. Voilà. D'accord. Donc, l'archéologue et l'auteur de romans policiers, pour elle, se rejoignent. Voilà. D'accord. Puis, elle a même participé physiquement aux fouilles. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'elle se servait, elle enregistrait les morceaux, elle se servait pour les nettoyer de sa crème hydratante. Voilà, enfin, elle raconte toutes sortes de choses amusantes. Et puis, surtout, ce qui est très dynamisant, dans son livre qui s'appelle La romancière et l'archéologue, elle raconte qu'elle s'est mise à écrire ce livre parce qu'il y avait des tas de gens qui lui disaient, mais comment vous vivez lorsque vous êtes sur les champs de fouilles. Donc, elle dit, ben voilà comment on vit. Et alors, comment on vit? Ben, c'est le camping. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, son bien le plus précieux, et ça, il n'y a qu'une Anglaise pour raconter ça, son bien le plus précieux lorsqu'elle part sur les champs de fouilles, c'est son cercle de toilettes. D'accord. Parce qu'il n'existe pas de toilettes là où elle va vivre. Et donc, elle se fait faire un cercle de toilettes sur mesure par rapport aux endroits où elle va, et donc en bois massif, etc. Et elle nous raconte cette histoire de cercle de toilettes, et c'est ça, à mourir de rire. Donc, voilà. Alors, pour conclure cet entretien passionnant d'un mot, il y a une entrée dans votre encyclopédie Dinard, évidemment, la ville en France. Ma question sera simple, quelle relation Agatha Christie entretenait avec notre pays? Énorme. D'abord, elle a vécu à Pau.
pendant à peu près 6 mois, puisque ses parents, ayant eu quelques revers financiers, ont mis en location la maison d'Ashfield et sont partis vivre à l'hôtel en France. D'accord. Ce qui était beaucoup moins cher que faire fonctionner une grande maison bourgeoise à Torquay. Et donc, alors qu'elle a été très déçue par les Pyrénées, qu'elle a trouvé qu'ils étaient des montagnes pas hautes du tout, parce qu'elle les voyait de très loin. Et à Dinard, elle a appris à nager et elle a fait le marché avec sa mère. Donc, elle adorait la France et ensuite, elle y est revenue donc, en pensionnat de jeune fille. Elle allait manger des Paris-Brest rue de Rivoli. Elle en parle aussi dans ses mémoires. Et puis, la France a été un des premiers pays aussi où elle a eu une collection au départ dédiée, qui était la collection Le Masque, donc qui est démarrée en 1927. Que vous connaissez bien. Voilà. Et qui est la première collection dédiée aux romans policiers. Bien écoutez, Anne Martinetti, merci de vous être rendue à l'invitation de l'Essonne en Hauteur dans la maison du duc et de la duchesse de Windsor pour évoquer une des plus fameuses compatriotes britanniques, Agatha Christie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Agatha Christie de A à Z, tout l'univers de la reine du crime. On peut également rappeler la biographie graphique que vous avez rédigée avec Guillaume Lebeau et Alexandre Franc. Nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en Hauteur. Merci beaucoup. Merci Anne Martinetti.